Très bien. Donc, bonsoir. Marhaba bil hadrin ma'ana fil Summit of Educators. Femme micro, mahloul, apparemment. Alors, marhaba bikom. Nous ma'ana coach Soumaya Hazalla qui formation sur l'art de prendre la bonne décision avec la PNL. L'intervention Bachanestanafera, un sujet très captivant. Merci, coach, pour votre dévouement, votre présence. Voilà. À vous tous, merci aussi pour la fidélité à Vision 2024 Initiative, à votre interaction positive. Inch'Allah, Dima, Baram Jelina Amlouha, Koun à la hauteur de vos attentes. Merci à vous, madame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Je suis très honorée par votre présence. Le webinaire est l'art de prendre la décision avec la PNL et c'est suite à l'invitation de l'association Vision Initiative 2024. Je les remercie. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Soumaya Hazalla. Je lance le partage d'écran, Ansa. Oui, Soumaya, allez-y. D'accord. Tout de suite. C'est bon, le partage lié? Tu me confirmes, Ansa, est-ce que le partage, c'est bon, allez? Juste un moment, en cours, l'Ahda Barak. C'est bon, voilà. Là, on a le premier slide. Le slide, parfait. Donc, je me présente. Soumaya Hazalla, épouse Benjabala. Donc, je suis à la base des RH. Je suis également consultante en ressources humaines, coach certifié, coach professionnel et en développement personnel, maître praticienne en PNL, praticienne en hypnose et formatrice en soft skills et entrepreneuriat. Donc, ma barre l'art de prendre les décisions et la problématique, pourquoi j'ai abordé le sujet. On va voir l'importance de prendre les décisions. Je n'ai qu'à vous dire le PNL, son importance et le processus de la prise de décision et enfin les techniques pour prendre. D'accord. Donc je vais commencer par une question. Chacun y a une décision nirdo fenhar. Dans le chat, vous pouvez me répondre via le chat. Donc nous, nirdo mosbeh. A priori, Barcha, déjà. Vous me dites n'importe quel chiffre, j'y suis mort comme Hasbet Saurontoma. 20. À peu près, Kadesh me dit 20. Zichoy. Madame Mariam, elle a proposé 20. Le choix est 20. Les décisions, de tous les jours. Plusieurs décisions. Les statistiques en 2020, 5000 décisions par jour. Bien sûr, membres de décisions, comme des décisions stratégiques. Pas décisions stratégiques, mais les 95% des décisions quotidiennes. Donc, notre cerveau, que m'appelle tel que.
Il prend par jour 35 000 décisions, 35 000 décisions par jour, ça marche ni te bloquer. Dans 95% Melhan sont des décisions majeures et 99,75% des décisions sont prises d'une manière inconsciente. Manéra, moi je suis inconsciente, c'est. Et les personnes, ils sont satisfaits à 75% d'avoir fait d'avoir fait des décisions et 25% regrette d'avoir fait des choix. Je m'en ai. Je m'en ai 25 000 décisions, les décisions ne sont pas. Ou 25 000 mais il y a des décisions. Donc, je suis dit que la statistique est dite, il vaut mieux prendre des décisions que de ne pas prendre des décisions. En ce moment, je vais lancer la vidéo Brabi Khalizi de Nefemo, l'importance de la décision. On aime toujours la vidéo, mais on fait avec des, elle ne prend que 4 minutes. Soit l'importance et de prendre des décisions. Ou que l'on prend un badi via le chat, je vais vous faire la vidéo. Elle est une vidéo très intéressante. D'autres filles italiennes. Des vidéos motivantes pour inciter les gens et pour motiver les gens. Ok, s'il vous plaît, je vais faire le partage. Je lance le partage à mon tour. Merci. Ça va, le partage, Tada? Très bien. Nous avons tous une certaine idée de ce que nous désirons. Mais c'est souvent très vague, davantage d'amour, davantage d'argent, davantage de temps pour profiter de la vie. Mais si nous voulons donner toute sa puissance à cet incroyable ordinateur que représente notre cerveau, il nous faut lui apporter des décisions. Le monde dans lequel nous vivons, c'est celui que nous avons choisi, consciemment ou inconsciemment. Si nous choisissons le bonheur, c'est ce que nous obtiendrons. Si nous choisissons le malheur, nous l'obtiendrons aussi. Tout ce qui arrive dans la vie, tant ce qui vous motive que ce qui vous tourmente, a commencé par une décision. C'est dans les moments où on prend une décision que nous déterminons notre avenir. Quand vous vous dites « je ne peux pas le faire », demandez-vous « qu'arriverait-il si je le faisais ?» En répondant à cela, vous formulerez peut-être une série de décisions et de sentiments positifs et épanouissants, vous créerez une nouvelle image des possibilités qui sont à votre portée. Pour aller vers le succès, il faut connaître vos objectifs, prendre des décisions, évaluer les résultats que vous obtenez et être assez souple pour changer quand vous avez échoué. Les résultats ne se produisent pas tout seuls, c'est là une constante de la vie. Décidez consciemment des résultats que vous voulez produire. Les gens ne sont pas paresseux. Ils tombent simplement vers des buts inutiles, c'est-à-dire des buts qu'ils n'ont pas vraiment envie d'atteindre. En fait, si vous ne plantez pas les graines mentales et physiologiques de l'effet que vous recherchez, la mauvaise herbe pousserait toute seule. Nos doutes sont des traîtres et nous privent de ce que nous pourrions souvent gagner de bon. Décidez ce que vous allez commencer à faire différemment à partir d'aujourd'hui. Demandez-vous ce qui vous empêche de décider, cela vous donnera une idée plus claire de ce que vous devez changer en vous. La réussite ou l'échec dépendent de ce dont on se croit capable. Si vous pensez pouvoir faire quelque chose, vous pouvez le faire. Et si vous vous en sentez incapable, vous n'y arriverez pas. Même si vous avez en vous toutes les ressources et tous les talents nécessaires. Si vous arrêtez de croire en vos rêves, vous avez la garantie d'échouer. Alors, pourquoi ne pas tenter? Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Le but d'un rêve n'est pas seulement d'être réalisé, mais de me réaliser. Mais de me réaliser. Mais de me réaliser.
voulez-vous savoir quelle est la plus grande illusion que l'on puisse se faire à propos de la réussite ? C'est de croire qu'elle est une montagne à escalader, une chose à posséder, un résultat statique à atteindre. Sachez ce que vous voulez, développez votre acuité sensorielle, afin d'être conscient de ce que vous obtenez. Montrez-vous suffisamment souple pour adopter différents comportements, jusqu'à ce que vous ayez trouvé celui qui produit des résultats, et vous obtiendrez ce que vous voulez. Et si vous ne l'obtenez pas, ne croyez pas que vous avez définitivement échoué. Comme le barreur d'un navire, changez simplement de cap, changez simplement de cap, changez simplement de cap. En fait, pour que les choses bougent, il faut décider, il faut décider, il faut décider. Car la vie est comme une rivière, elle court. Vous risquez d'être emporté par elle si vous ne prenez pas des mesures volontaires, conscientes, pour vous diriger dans la direction que vous avez choisie. Si vous voulez faire marcher votre vie, commencez par décider. Aujourd'hui, vous avez un choix. Celui de donner un sens à un rêve, le choix d'y croire et d'agir. Sois leader de ton propre destin. Choisis la vie que tu veux mener pour éviter que d'autres t'imposent une vie que tu n'auras pas choisie. Merci, on s'y attique ça. Donc, Najmout Kolouri, je n'ai pas acheté une vidéo aidée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué, une vidéo aidée? La réussite n'est pas impossible. Je peux faire. Il faut prendre décision pour vivre, pour bouger. Il y en a plein. Qui veut, peut. Assaada qarar, qarar. Anajah qarar, fashal qarar. Quand on veut, on peut. Yumkin lil-insan an yuhaqqiq ahdafahu min khilal akhd al-qarar as-sahih. Parfait. Enfin, une phrase fait l'écrit de Kalis. Il vaut mieux choisir tout seul que laisser les gens choisir pour vous. Manéa, il faut prendre sa vie en main, il faut décider. Je vais te faire le magé, le fara. Je vais te faire le magé. Non, je vais la présentation. Qui est l'importance de la prise de décision? Ou allez, la décision aime. Ou elle est impactante sur notre vie. Mais, prenez comme un exemple. Chauffe-toi à Snia Hedia. Ça y est, le partage d'écran, Maujoud. Le partage, oui. Mais je vais faire un diaporama, Somaïa, s'il vous plaît. Je vous fais le PowerPoint de Colombe. Je vais vous faire le diaporama. C'est bon? Non, mais c'est. Ça y est, on se diapo. Elle n'est pas lancée. Quand elle est lancée, c'est comme non. Je ne sais pas qui fiche. Ah oui, l'image elle est claire, hein, monsieur le chien. Allez-y, monsieur le chien. B. Comme on a vu, on a fait le nard, on en prend. Plus et que les décisions, moi, je crois, la décision stratégique, les mots, nous avons une décision fondamentale. Il y a le sens de la vie, nous avons une décision de la vie. Comme choisir le mari, choisir le boulot, choisir taïch, choisir la date, choisir de fonder ou pas une famille, déménager ou pas déménager, etc. Donc, vu l'importance de nos choix et de nos décisions, qu'on aura souvent besoin de trancher et de décider, et que nous sommes toujours coincés face à des choix multiples. Donc, les différentes questions se posent à Timorna ou Jinul Afghan. Qui fait choisir la décision?
كيفاش ناخذ لا ديسيزيون وما نندمش نهار اخر. لي ديسيزيون لو في دو بروندر ديسيزيون ماهيش حاجه صعيبه بالنسبه للعباد اللي تمارس وليستينس دو بروندر ديسيزيون، مي حاجه جديده وحاجه عندها اهميه كبيره بالنسبه للعباد ياخذوا قرارهم ويستينس وياخذوا ديسيزيون من غير ما يتراجعوا ومن غير ما يبداوا في الضبابيه. C'est pour cela que la décision telle que nous on va le présenter ici, elle va être présentée comme un outil de développement personnel et qui nous permet d'avancer dans nos choix et d'avancer dans notre vie. On suppose que Thomas fait le départ de l'avenir. Au Codem, comme deux, تقولوا زعما ناخذ ثنيه A ولا ثنيه B، وكان ناخذ ثنيه A زعما ما ندمش نهار اخر على ما خديتش ثنيه B، ساشون كو فو نافي با لو دوا باش تعملوا مارش اغيير، سي خديت حياتك ما تنجمش تعاود ترجع بالتالي تو في مارش اغيير لحياتك فيغ لو باسي، اون فوا خديت ثنيتك سي باش تعرف هذيك هي لا ديسيزيون، سي سا كي با باش تتحكم في حياتك، اي سي سا لو تورمون دو تا في. دونك اون فا بروندر نوتر روت، اون فا مارشي pour 10 jours et 2 jours. Et on s'est trompé. L'objectif interne est de déterminer quel chemin à prendre et surtout comment prendre un bon chemin et ne pas regretter. Donc c'est pour cela, la qualité de nos décisions va impacter nos résultats, elle va impacter notre vie dans différents domaines, que ce soit familial, personnel, familial, social et professionnel. Donc, elle va impacter notre vie dans différents domaines. Et bien, plus la décision elle est d'avancer, plus on hésite de la prendre. Ça va en retard de la prendre, en praxine. Ils ont manière de la prendre ou de la prendre. Et Khali, on prend le temps, on laisse le temps faire. Hata wint ou bin al dunya. نلقاو العباد خذوا ديسيزيون في عوضنا. سي بور سلا اون دوا سافوار بيان بروندر لي ديسيزيون. شنو نعملو الوغ لا شنو نعملو؟ دونك اون دوا سونتروني ا بروندر لي بون ديسيزيون. كون تيل سون ديفيسيل اي بلو لي انجو سون غران بلو اون ا دي ديفيكولتي ا لي بروندر مي بلو اون ا ا اي غاني. دونك وني باش نستعملوا لا بي ان ال لا بروغراماسيون نورو لانغويستيك كوم ان اوتي باش خلينا نفهموا احنا ونعرفوا كيفاش اون بران لي بون ديسيزيون. البي ان ال باش تخلينا نغرسوا في روحنا ونعرفوا لو فون دو نو ميم وشنو نحبوا وشنو ما نحبوش وشنو اللي يساعدنا وشنو ما يساعدناش. دونك خلينا نمشيو نحكي لكم شويه على البي ان ال. Le slide. Quand il chauffe fille, le slide ou les layers. Mais c'est sur les deux routes, comme les deux sens, droite et gauche. Mais c'est chargé de partage. Quel est le slide intérieur? Quelle est la partie? Voilà. D'accord. Donc, je finis la PN. La PN, c'est une. C'est une discipline, j'ai dans le cadre des sciences humaines. J'ai été nommée Al-Futisamiya-Sabarin par deux Américains, Elihoma Richard Bander et Jean Grinder. L'un est linguiste et l'autre, c'est un psychologue. Et j'ai été. Qui fait la PNL. Donc, on m'a chef ou il fait ma bête. Qu'est-ce qu'ils accèdent? Qu'ils sont compétents par leur comportement? Ils hackent leur réussite facilement? Qu'ils sont en faculté de communication très à l'aise. Donc, caro, bichu kado yamlo modélisation, yoko de chauffon qui fait chier de safo ou qui fait chfemni, qui fait il se comporte vis-à-vis de la bête et fiche chaque moment. Donc, il y a mis kado na min trois abréviations, t'as trois mots. P
Donc, on utilise généralement et on met en place tout au long de notre vie, d'une manière consciente ou inconsciente, des programmes, c'est-à-dire des façons de penser, des façons de ressentir et de se comporter. Les programmes, c'est apprentissage, ou l'automatisme, ou l'habitude, ça va automatiquement, on a un mot, par exemple, tu ne me pas c'est automatiquement, c'est un programme automatiquement fait mort. Donc, le neuro, j'ai une neurologique, parce que les programmes ils sont codés à travers les apprentissages qui reposent sur notre neurologie, c'est-à-dire la façon dont notre cerveau et notre système nerveux traitent l'information. Et le traitement de l'information, il repose sur 5 sens. Et les humains, comment on appelle le bacoc, c'est-à-dire le vu, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le gustatif. Linguistique, donc qui fait en code, voilà, qui fait en transmet l'expérience à travers des codes, à travers des comportements, à travers des mots, à travers des gestes. Et c'est ça, tout ça, on l'appelle, c'est le langage linguistique, c'est-à-dire le verbal, le non-verbal. C'est un système, c'est un codage qu'on traite les informations et les façons de faire. Donc, la PNL jette et a facilité la vie pour plusieurs personnes. Allez, parmi les bienfaits, les avantages de la PNL, je vais citer quelques-uns. C'est la PNL nous permet d'acquérir pour notre évolution personnelle, sociale et professionnelle. Elle aide aussi à évoluer avec une approche basée sur les résultats et l'atteinte des objectifs. Elle nous permet aussi de savoir comment gérer notre stress et agir sur la nature de nos émotions. Allez, pour pouvoir vivre harmonieusement avec nous-mêmes et avec notre entourage. Aussi, elle nous aide à développer une réelle qualité de relation avec nos collègues, amis, clients, familles, etc. Elle aide aussi à résoudre les conflits internes ou entre les personnes, à comprendre et maîtriser dans les domaines aussi variés que le sport, l'entreprise, la pédagogie, la thérapie, le social, etc. S'adapter à un changement, changer un comportement, préparer une étape importante, résoudre un blocage précis, prendre une bonne décision, sortir d'une série d'échecs ou prendre une position bien précise. Et aussi aide à développer l'estime et la confiance en soi. Tout ça, c'est l'importance de la PNL. Mais, le processus de la prise de décision. Comment on prend notre décision? Qui fait Anna Charles Bnedem Hedaya? Qui fait Chirou la décision de Théo? Tu peux lancer le questionnaire, la question Lulania. Comment, quels sont selon vous les obstacles qui vous empêchent à prendre les bonnes décisions? Voilà, almenti.com. C'est bon, on se dit ma fille. Donc, je vous ai laissé le menti.com dans le commentaire. La question, c'est les freins ou les obstacles à la prise de décision, c'est ça? D'accord. Selon vous, quels sont les freins ou les obstacles qui vous empêchent de prendre des décisions? Je partage mon écran. Donc, vous voyez le code, c'est bon. Alors, vous allez lire chez nous, juste que vous menti.com, vous allez comme un champ de code, vous le code est faux, et vous essayez de répondre à la question, les freins ou les obstacles à la prise de décision. Alors, je vous rappelle les participants.
sans anonyme, donc nous avons les participations internes, les réponses internes, comme la personne qui répond. Alors, dans la réunion, on a 28 participants. Nous avons 28 réponses. Voilà, ça commence. Très bien. Voilà, le stress. C'est vrai, l'hésitation, oui. Oui, le khawf, c'est vrai. Effectivement. Femme Zed Anwar, Zulihat manque de confiance en soi. Yessi Anwar, quand tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps. La famille, c'est le chef de la famille. C'est le temps pour prendre une décision, oui. La société, oui. On se quitte quand on va visiter quand on a le menti.com, comment il fonctionne, Khater Jouf fait des réponses sur la conversation. Je fais le menti là. Effectivement, pas de confiance en soi, l'entourage, oui, Al-Mashir, effectivement, la peur. Un Kamlo Ansa. عتيبة زايدة هاي صحيح عتيبة زايدة معناها واحد يقرأ حساب برشا العباد أكثر من يقرأ حساب من حسابه لي ريسبونسابيليتي المسؤوليات وي مانك ديكسبيريونس افكتيفمون L'entourage pas favorable, صحيح. هذوما الكل توا لي ريبونس يعطيكم الصحة كلهم صحيح كلهم إجابات صحيحة وكلهم يجاوبوا بالحق على لي زوبستاكل كي نوزو هل الستريس وهل الخوف وهل الشك وهل المشاعر وكل يدخلوا في شنو في إطار شتي إطار لي زيموسيون صحيح ولا لا وهل المانك دو كونفيونس وهل عدم وضوح الأهداف وعدم ضعف تقدير الذات يدخلوا في شنو يدخلوا في الكونيسونس دو سوا ويدخلوا في الفيكساسيون دي زوبجيكتيف دونك هونيك علاش باش نبداو بالبداية ونبداو بالبداية هي الأولانية اللي كل عبد يلزمو يعرف روحه باش ينجم يحقق اهدافه ونجم ياخذ قرار صحيح في وقته دونك اون فا ابوردي لو سوجي دو دو لا كونيسونس دو سوا دونك نعدي لكم السلايد
هذا لو شيما دو لانديفيدو دونك اي مايا سمي فو بارطاجي ليكران تاعك حتى كنت نعمل اي تقبا Donc, je vous présente le chemin de l'individu. Comment l'individu il fonctionne. Donc, l'individu, c'est une identité, des ressources, des valeurs, des compétences, des besoins, des motivations, des qualités. Et cette identité, elle agit sur les émotions. Les émotions, comme la joie, la colère, la tristesse. Comment ils agissent? Ils agissent via des filtres. Les filtres, les perceptions, les croyances, les images. L'identité interne, elle impacte les émotions internes. Elle agit à travers des filtres. Elle agit sur quoi? Elle agit sur notre environnement, l'interaction avec les autres. Avec le jmaa al-muhitin bina, donc d'une façon générale, elle va impacter notre décision et nos comportements. C'est pour cela que nous avons dit que nous avons dit la connaissance de soi, la connaissance de l'identité. L'identité c'est les valeurs de la personne. Mais je crois même qu'il y a les valeurs, les principales valeurs. Les valeurs, Roma. L'article comme définition de la valeur. La valeur, c'est la squelette psychologique de l'âme. Si elle nous tourne, il y a une ou l'autre, il y a une ou l'autre, il y a une ou l'autre. L'article comme des exemples. Par exemple, je vais faire un acte de chemin à les valeurs. Par exemple, on a la valeur importante de le travail. Le mariage, c'est un peu. Donc, on a la valeur amour. Mais la valeur travail, elle est plus importante que la valeur amour. Ou si fiancé m'teha, d'ailleurs, chante à l'air, qu'elle le khidmale. Qui fait-je t'am? Il y a la valeur m'teha, travail, succès, ou à quoi la fontnile, ou à si elle va prendre des décisions selon ses valeurs, qu'est-ce qu'elle va prendre? Qu'est-ce qu'elle va décider? Bien sûr, pour être alignée avec soi-même, elle va décider de favoriser le travail et le succès par rapport l'amour, la valeur, l'amour, la valeur travail, elle est très importante, elle est très présente dans sa vie, plus que l'amour. Là, tu as comme exemple, oui, un de la valeur famille, Kbiraïs. J'ai tout fait mal barre. J'ai fait mal barre, je suis au Canada, 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 je suis au Canada. Donc, je suis au Canada, 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 je suis qu'est-ce qu'il va préférer? Qu'est-ce qu'il va décider selon ses valeurs? Il va décider, bien sûr, de rester à l'khater. Il y a une importance de la famille. Donc, la valeur famille, elle est plus importante que la valeur travail. Kif kif. As-tu comme autre exemple? Une personne a la valeur sécurité. Et c'est un petit faribe. Mais, ou elle a bien un petit peu de choix. Enfin, je ne peux pas le faire de la famille. Donc j'ai tout un coup de tête parce que si l'entrepreneuriat, quand le canafoc allait, il a un autre jour, je n'ai pas le projet à la loi. S'il respecte sa valeur, sécurité et stabilité, qu'est-ce qu'il va préférer? Il va préférer, je regarde que je fais le travail, avoir un salaire fixe et il est stable, avoir une certaine sécurité financière, ou alors il va se lancer dans l'entrepreneuriat ou mouchar le flou à la chenob chère. Donc bien sûr, s'il respecte sa valeur de la sécurité, donc il va rester dans le salariat. Donc, les valeurs. Donc, les valeurs, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Je respecte ma valeur, j'honore ma valeur. Donc, c'est psychologique, c'est le moteur de la personne qui le motive et qui le pousse de prendre décision et d'agir. D'accord. Donc, je connais les valeurs. هنا عطيكم ليست هوني حاس السلايد تشوفوا ليست نتاع سي تي ليست ماهيش حصريه مي سيمبوليك شويه فهمتي بالنسبه لي فالور اللي نجمو فهمتي موجودين عند العبد كل واحد هكا بار لو تشات قلنا فهمتي شنو هما لي فالور نتاعكم انا لي واحده من الناس الفالور نتاعي هي جو ريسبكت جدا beaucoup d'importance dans la sécurité et aussi l'engagement. Ça diffère, les valeurs diffèrent grâce au vécu, grâce au maurouth, grâce à l'aïla, grâce aux expériences. Les valeurs.
Donc, par le chat, je me trouve les chambres, les valeurs, comme ta collab. الصحة، الصداقة، العلم، الحب. أي لا روبتور. هاي نجم تقول نزاهة والصدق والأمانة. صحيح نو منيب، نعرف منيب الروبتور ما تقصدش فيها، فهمتي كوم اون فالور. نجم تقول لي يا سيموني بشنو شنو لي فالور نتاعك؟ وي افكتيفمون جي كومبري. النزاهه والصدق والامانه. باش نحكي لكم حكايه نتاع عم سعيد. عم سعيد هذايا اونتر تون نستنى في لي ريبونس نتاعكم نتاع لي فالور. عم سعيد هذايا يخدم في شركه نتاع كوميرس انترناسيونال، وهذا خرج خلط العام عمره 60 عام باش يخرج ريتريت. وعم سعيد هدايا عنده لا فالور ترافاي اللي تري تري امبورطون، معناها ما ينجمش يقعد النهار في الدار، معناها يقعد نهار في الدار يمرض، فهمتني؟ عاد جا عمره 60 عام ومشى خرج لتريد، ما نجمش انا با بو، خرج الجمعة ورجع يجي العرف ويقرق بي يقولوا بربي نرجع حتى حتى تخلصني في النوار ولا تخلصني باش تر الحق ولا كيف كيف. وفي لقاء مع انا رونجمون ورجع يخدم على روحه. هذا اللي بتسكي امور الديوانة عم سعيد. حاسيلو مرة من مرات عرفوا عطاه فلوس، قالوا باش خرج من الديوانة وهاو هذايا كما نقولوا ما صوفي فلوس باش تعطي، فهمتني سامحوني في الكلمة، باش تعطي رشوة للسيد باش يخرج هذاك الماسو هذاك ومشي على أساس باش يعمل، فهمتني باش يعمل كما قالوا عرفوا. شد اشترى ثنية ورجع نو، قال نو انا عندي النزاهه والامانه والونيتي اكبر من الخباي، ما يساعدنيش انا، فهمتني جو نو ريسبكت با ما فالور هذوما النزاهه والامانه، فهمتني. رجع شد الديميتور ورجع هذاك الماس وعطاه العرف، قال له ما حاشش بالخدمه نتاعك اذا كان انا باش نخدم دون سي كونديسيون. دونك عم سعيد فرح على خاطر اي سي سونتي تري اليز وفرحان، ما ندمش انا با ريغريتي. بوركوا؟ باسكو لا اونوري سا فالور اللي هما النزاهه والامانه والونيتي. Oui, si je vous l'ai dit, on n'en finirait pas. Et c'est bien. Il y a certaines limites des valeurs. Sinon, je n'entre plus en contradiction. Là. Mais, un article comme la liste de les valeurs. On va faire un petit exercice. Je vais vous laisser pour 5 minutes. Je vais vous laisser comme acteur. Je ne vais pas vous laisser. On va faire un exercice. Donc, je vais vous la liste des 15 valeurs importantes qui sont comme l'exercice de 15, 10 et 5. Il est très efficace. Là. Donc, vous choisissez 15 valeurs importantes pour vous. Vous traitez pour comment vous dites l'importance, vous avez l'importance, mais 15 à 1. Après, vous traitez le 15, vous traitez 5. تخليو كان 10 برك كيف كيف، وتعادو تنظمو هالعشرة حسب لو دوغري دامبورتونس دون فوتر في. بعد ما تنحيو العشرة تخليولي تنحيو خمسة، تخليولي خمسة أخرين. هذوما الخمسة هذوما نسميهم لي فالور نون نيغوسيابل نون ديسكوتابل، معناها أن با توشي. كما الخمسة هذوما لي سانك فالور اللي باش يقعدوا لكم سي سيل كي فون ديتيرميني اي فاليدي فوتر شوا. كيفاش نعرفوا لي هما الخمسة هذوما هذوما لي سانك فالور بازيك؟ اون با سو بوزي سي كيستيون باش نقولوا اسكو سي فالور نو روند فيير دو نو ميم ولا لا؟ Est-ce qu'on est capable de tenir à l'aise ou à l'aise? Est-ce qu'on est prêt de communiquer pour qu'il y ait la bête avec fierté ou à l'aise?
Est-ce que ces valeurs font en sorte que vous vous êtes prêt à défendre votre opinion? Même hâte, vous êtes le seul à avoir cette opinion. Mais malgré qu'on comme la valeur éthique, vous essayez de défendre votre valeur coûte que coûte. Donc, après avoir déterminé ces cinq valeurs, vous avez comme roya wafha, ou taf rouyak comme chou t'habou ma t'habouche, ou taf rouyak comme chou n'a le moteur, il y a chaque mot comme pariet comme les cinq valeurs dedans. Soumaya, d'après vous, exercice qui m'a ça demande de choisir le temps, non? Oui, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Déjà, j'ai préparé le contenu de l'exercice de Kif-Kif. Il y a un peu de temps, comment faire l'exercice, il y a un peu de temps, avec plaisir. يعطيك الصحة عايشك انا خاطر بيرسونيلمون جو كما خليو توا شويه وقت نخليو كما يساعدهم كاسكو تي بروبوز لا لا ا مون افي ا تيت روبوزي خاطر بيرسونيلمون جربت الاكزرسيس قبل وبالحق معناها سا ديزيسيت الواحد يقعد مع روحه هكا وياخذ ويعطي وبرشا لا ليست برشا مرات و صحيح خاطر يعطيك بريس دو كونسيونس كبيره برشا برشا هذايا باش تفهم روحك راهو برشا عباد احنا في الكوتشينغ يا انس اول ما نبداو فهمتني نبداو بلي فالور دو لا بيرسون فهمت سي تري بروفون سي تري امبورطون يعني فريمون سي لا باس صحيح افكتيفمون لو بارتاج تاع لي دوكيومون الكل تاع لي فالور نسميهم سي لي فوندامونتو لي كاتر فوندامونتو علي في مي قال لي بارميل عندنا جروب فيزيون فيه نعمل البارتاج نتاع لي سورس دانفورماسيون الكل دونك نعطيكم اللين تو سويت على الجروب فيزيون وتدخلوا للجروب وتلقاو ان شاء الله كل شيء بارفي دونك ولا اون كونتينيو بي parmi في الكيسيونير هذاك في اللي عملناه بكري والاجابات فما جبتوا كما قلت لكم جبتوا شويه على لا كونيسونس دو سوا لي فالور وجبتوا الحاجه اخرى لي زيموسيون قالوا لا تريستيس قالوا لا بور قالوا الشك صحيح حتى لي زيموسيون راهم زاد كيف كيف عندهم امباكت كبير ياسر على بريز دو ديسيزيون راه Donc, je vous invite réellement, بالحق, تبعوا بعديك إن شاء الله غدوة فهمتني l'information تاع السيستم يبدي لها pour source l'intelligence émotionnelle. Mais خلينا نعطيكم un aperçu شوية à les émotions. الخاطر, c'est un indicateur qui nous permet de mieux comprendre ce que nous voulons réellement, معناها فهمتني. أنا نقول لكم كيفاش les émotions عندهم دخل كبير في les décisions. تعرفوا شنو هما لي زيموسيون دو باز فما لا تريستيس تشوفوا فيها البارتاج وي وي السلايد مازلنا في ليست دي فالور فما باه داكور دونك نستنى شويه لو طون تو نحكي لو تشوف فما لي زيموسيون دو باز هما تريستيس لا كولير لامور اي لا بور داكور بارفي Donc, علاش لي زيموسيون عندهم امباكت كبير على بريز دو ديسيزيون باه ناخذ باغ اكزومبل لا بور باه كيقولوا عبد في لا بور دونك سيل يا بور دونك سيل يا ان دونجي دونك il va se poser la question quel choix je vais faire et quel choix il va me faire le plus peur quel danger se cache derrière cette peur Si un choix ne fait moi, peut-être est-ce c'est le bon, peut-être je vais le prendre ou pas. Donc, on doit savoir comment détourner notre peur face à la décision. Si vous allez être avec qui vous êtes, il ne faut pas prendre la bonne décision. Je ne suis pas prêt à faire, je ne suis pas prêt à faire, il hésite, il hésite, Ça va bien que je fasse une elle va impacter malheureusement ma vie. Que dois-je faire? Nimshou la triste. Zamankoul, ici je prends ce choix. Est-ce qu'il va me rendre plus triste? Donc, allez-je la tristesse si elle va impacter la décision à la khatera? La tristesse, tout le manque. Je suis triste qui va faire un manque. Donc,
quel choix il va importer. Donc, à la prise de décision, quel choix il va provoquer le plus de manque. Donc, il y a un choix idéal. Il va générer de la tristesse, il va générer un manque, donc tu vas le regretter un jour. Mais, la colère, elle surgit lorsque nous ne nous sentons pas respectés. Lorsque nous sentons que nos valeurs, elles sont bafouées. Comme je compte à dénaler les valeurs mtéana. Comme je compte à dénaler les principes mtéana. Donc, quel choix me met en colère? Comme je suis sniya hédia. Par exemple, il y a comme je suis sniya, comme on a le salariat ou l'entrepreneuriat, et d'accord, il y a une chose l'entrepreneuriat ou la générer une colère, etc. Donc, la colère, c'est un indicateur essentiel. Effectivement, faire le bon choix, c'est faire un choix qui nous permet de nous aligner par rapport à nos émotions. Et qu'allèche, les émotions, elles doivent être alignées avec notre décision et vice-versa, nos décisions doivent être alignées avec nos sentiments. B. Parlons de China, qui n'a les obstacles, il y a la connaissance de soi, ou je bidna la valeur, il y a un mec bien fait la connaissance de soi. Je bidna les émotions, les émotions ont un impact bien fait la prise de décision. Et je me suis dit, qui nous motive de prendre la décision. Donc, selon vous, qui vous motive à aller vers l'avant, à prendre cette décision ou une autre décision. On se je me lance, il y a le questionnaire. Oui, l'arbre. Je partage l'écran. Qu'est-ce qui est déterminant pour vous pour prendre une décision, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, voici le code. Je vous transmets le code par le chat. Sinon, le partage, moi je suis déjà. Menti.com, qui est l'ada. Alors, on a 30 participants. J'aimerais bien voir 30 interactions. Parfait, c'est bien. Je vous rappelle, il y a la participation anonyme. Il y a la participation anonyme. Je ne sais pas si vous avez un participant. Il a participé. Le calme, la réflexion, c'est vrai. Le support, le calme, la réflexion, le temps, effectivement. At-tajir, at-thiqa, at-thih, al-amin.
la réflexion, le support, l'enjeu, l'impact. Oui, effectivement. Le temps, oui. Madame Sonia Kalt, le temps, effectivement. Siano Akal Mouram, la Saad, Arida Anas. Madame Leïla, la liste des valeurs, tant inchallah, le workshop, le webinaire, je les partage. Je vais la partager. Ne vous inquiétez pas, t'en as-tu quoi? Je vais la partager pour vous tout de suite. Le slide, on part tout de suite. Hein. D'accord, tu peux la partager, Mouram, le support, tu peux la partager. Hein. Ok. Avec l'exercice, Darawa, la liste des valeurs et l'exercice, tous les deux. Oui, très bien. Avec plaisir, Madame Leïla. B. Ben, on a déterminé la connaissance de soi ou les valeurs interna ou les émotions femmes les émotions interna ou qui n'ont pas hommes ou femmes hommes ou challenge hommes je trouve la motivation je trouve est-ce que l'abd est-ce qu'il est réellement enfin une certaine motivation ou la lèvre ou la décision il dit ou la qu'est-ce que tu as pour être motivé ou la qu'est-ce que tu as pour être est-ce que cette décision elle est intéressante ou la lèvre donc tu vas poser les questions et demain je trouve le test alors tu trouves est-ce que la décision que je vais prendre, est-ce que va me propulser vers un avenir inspirant ou être l'ennemi prisonnier dans le passé? Alors, à quoi ça sert que tu prennes une décision? Oui, je peux peut-être cracher la vie. Donc, la décision, pour être modifiante, elle doit satisfaire une évolution, elle doit satisfaire un changement. Changement positif, bien sûr. Mais j'aime travailler avec le statu quo, il y a un petit compte à Aïchfi. Enfin, le statu quo est d'accord, il y a un petit compte à Aïchfi. Mais j'ai un petit peu de bête, c'est qu'on a kif, tu vas poser une autre question, tu vas te demander si cette décision que je vais prendre, est-ce qu'elle va me procurer une satisfaction de longue ou de courte durée? Alors, si ça va procurer une satisfaction de courte durée, donc ça y est, le besoin quand il est satisfait, ça y est, les matchs font tenir réel, il n'est plus motivant. Donc, pour qu'une décision doit être impactante ou avoir un impact réel dans ta vie, ou mettre de me jaler en arrière, elles doivent être sur la durée. Donc, si une décision procure une satisfaction sur la durée, vous pouvez être sûr que c'est une bonne et la motivation, elle va s'installer aussi sur le long terme. Mais par contre, c'est la motivation, elle est de courte durée. Donc, généralement, t'as fallu comme elle dit, ça y est, vous allez regretter un jour. Donc, des questions, est-ce que vous faites cette décision, c'est pour vous ou pour les autres? Si vous le faites pour les autres, kif, vous allez le regretter un jour. Ça ne va pas satisfaire ton besoin ou ta motivation réelle pour toi, mais si tu comme tu dis, donc, une autre question, vous allez répondre à la question et vous demandez, est-ce que ce choix que je vais faire, est-ce qu'il va augmenter ou diminuer mon énergie? Et avec la décision que tu vas prendre, elle va diminuer ton énergie. Donc, tu vas laisser tomber. Non, ce n'est pas intéressant. Tu vas baisser les bras. Donc, elle doit avoir une énergie positive dans ta vie. Donc, il y a des questions. Il va falloir motiver ou aller pour prendre la décision. Je ne sais pas si tu as dit que le processus de prise de décision. Mais ce qui est la fixation des objectifs. La fixation des objectifs, c'est il est très dit que je t'arrive une win-win mèche. Nous sommes fait état présent. C'est le point A. Ou changeant mèche, je suis chez le point B. Donc l'état désiré, ou le point B. Donc, quand tu as choisi une mèche, je suis l'objectif MTAC. Est-ce que l'objectif MTAC est positif ou est? Est-ce qu'il répond à certains critères ou à l'aller? Donc, tu ne peux pas prendre une bonne décision. Donc, je vous conseille d'adopter la stratégie SMART, la stratégie SMART de la fixation et des objectifs.
بون هي سمارت مي دخلنا ديرنييرمون دخلوا فهمتي اون 2020 دخلوا او هي تواليت سمارت ولا كوم ايكولوجيك دونك اس تو فا اس دونك لوبجيكتيف دو اتر اس كوم سامبل اس كوم سبيسيفيك سمية وي vous voulez partager votre écran خاطر لا جو سوي دون كنت في المنتي خاطر داكور نسخلو باقي encore partagé هنا داكور maintenant vous voyez l'écran لحظة وي donc l'objectif il doit être smart c'est-à-dire S et S comme simple spécifique c'est-à-dire نجمو تفهمو واضح يكون de préférence يكون un écrit et il répond à un verbe d'action mais يكون il répond à un verbe d'être et qu'on je fais je possède etc. Je réponds à des verbes d'être donc M comme mesurable c'est-à-dire trouve à partir de quand je suis sûr que j'ai réalisé mon objectif porté je vois que ça y est trouve ça y est atteint l'objectif un petit A comme ambitieux c'est-à-dire faire ma challenge fille faire ma motivation mais quand je fais une table mais quand je commence à tel comme faire une fille énergie négative ou il répond faire aux besoins des autres et qu'on R comme réaliste réalisable par exemple je fais le franchise pour un objectif en 2021 je fais par exemple 20 franchises mais réellement est-ce que tu peux réaliser est-ce que tu peux ouvrir 20 Donc, c'est difficile. C'est pour cela qu'il doit être réaliste. Je me dis que je trouve le clip 2021, fin 2021. Autre chose, ça y est, management, tu baisses les bras ou tu seras démotivé. Donc, on doit déterminer des objectifs qui sont réalisables, réalistes et réalisables. T, comme T comme temps, c'est-à-dire couloir T, je me charge pour l'objectif. Par exemple, je vais obtenir ma doctorat en TI en demi je vais obtenir doctorat en TI j'ai mais j'ai trop le ça y est le mais donc tu dois fixer une date un deadline pour la réalisation de l'objectif en TI لازم تسكرها باش تكون فهمتني مربوط انت تربط روحك بك الدات هذيك eux comme écologique ce معنى écologique معنى ils respectent العائلة نتاعك ils respectent l'environnement نتاعك ils respectent l'entourage نتاعك نعطيكم un exemple باش تفهموا واش معنى écologique Par exemple, femme عبد يحب par exemple يمشي يخدم الإبرة. Donc يجي عمل le test هذا الاكزرسيس هذايا لقى روح الاوبجيكتيف الى ساتيسفيها لي 5 كريتير يعني الاس والام والا سي بون وكتبوا وفرحان بالاوبجيكتيف نتاعو بعد كي يجي يحكي مع مرتو مع البارتنير نتاعو قالت له لي ما تخلينيش لا ما يساعدنيش دونك اللي عملوا كل هذاك كل الستاب كل طاحوا في الماء علاش خاطر ما كملش لا فيكساسيون دو لوبجيكتيف نتاعو اون ريسبكتون ايكولوجي اون ريسبكتون ليفيرونمون نتاعو لونتوراج نتاعو اسكو يساعدهم ولا ما يساعدهمش دونك هادو هما لي 6 كريتير دو فيكساسيون اسونسييل دو فيكساسيون دو لوبجيكتيف بعد ما نمشيو لوبجيكتيف نمشيو لانستان لانستان شنو معناها لانستان معناها سي فري واحد بعد ما شاف روحو وبعد ما حلل وبعد ما فهم روحه لازم يفهمتني يشوف بالانتويسيون تاعو زاد خاطر الانتويسيون و الكور عندهم دخل فما عباد ياخذوا ديسيزيون تاعهم حسب اللوجيك برك وينسيو الانتويسيون تاعهم وفما عباد ياخذوا ديسيزيون تاعهم حسب الانتويسيون وينسيو اللوجيك سي بور سوا كي لي ريكوموندي لي اسونسييل دو فير ليكيليبر انتر لانستان اي لا لوجيك Et qu'est-ce que je vous conseille pour favoriser l'instinct et favoriser l'inconscient? Ce que tu dois les décisions, tu as comme choix, tu as comme pratique à table ou faire un break. Le fait de l'inconscient, il y a un break avec le pause, le repos. L'inconscient, quand le mal à gauche, le faire un tien. فهمتني وقتها العكس كي بدا عندنا برشا وقت فراغ وقتها الانكونسيون يل اجي دونك انا بزوان دان بريك بور ليسي الانكونسيون فونكسيوني اي يسوفي ان اوتر انتويسيون بي بعد ما شفنا الانتويسيون تاعنا واللوجيك تاعنا اون فا فير اناليز هذا العقل اش قال هذا الانتويسيون اش قالت توا انا شنو واش نربح من هذا شنو باش نخسر من هذا tu vas poser le pour et le contre ومن بعد ما خديت وعملت اناليز نتاعو كل بور الى كونتر شنو نعملو
On prend le temps. Décider, prendre de temps, procrastiner, ou alors trop laisse le temps faire, ou alors rien, les émotions, c'est pas bien de prendre, oui. ربي الباسي الاخرى كانت عاودها خاطر الصوت ساعات الانترنت تعملها لغالب هذه حاجه خارجه على اطارنا وعلى لو كونترول نتاعنا لغالب ساعات كتيح شويه الانترنت دونك الصوت يهرب الفكره الاخرى كانت عاودها ميرسي الفكره الاخرى نتاع شني نتاع لو طون اي كوندر لو طون بور ديسيدي اها اي داكور بي Donc, après avoir, comme je vous ai dit, fixé les objectifs ou écouté l'instinct interne, et on laisse jouer l'inconscient interne, et après avoir analysé et posé le pour et le contre, je vais en prendre le temps pour décider. Je vais prendre le temps. Prendre le temps, c'est un choix. Il y a choix. Quand tu as une décision à chaud, tu ne laisses pas le contrôle, les émotions, ils te contrôlent, mais tu as une décision à chaud sous l'effet des émotions. Et prendre le temps, ça ne veut pas que procrastiner et laisser le temps faire. Mais ça veut dire qu'il est essentiel de s'assurer de n'avoir rien oublié et de se reposer pour avoir l'énergie d'assumer les décisions. D'accord? Et n'as-tu comme un conseil pour faire du recul et avoir du temps? T'as nos marches. La marche, c'est un moyen essentiel pour équilibrer l'hémisphère droit. Motaf ou l'hémisphère droit, ou le siège de la créativité. Et l'hémisphère gauche, c'est aussi le siège de la logique et de la raison. Donc, quand tu marches, ta marche, ou tu laisses un petit le moyen pour l'hémisphère droit, on va développer la créativité. On va laisser le temps de la créativité, la créativité au dépend de la rationalité. C'est pas bien toujours de prendre des décisions rationnelles comme il suffisait de fier à son instinct et à ses émotions. On va prendre, on a pris le temps de recul. On doit s'adapter à assumer ses choix et ses décision. Allez, j'ai fait toutes les étapes nécessaires. Donc, on doit, on programme notre cerveau à accepter les décisions qui ne sont pas en cohérence avec notre volonté. Parmi les présupposés de la PNL, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Il n'y a que des apprentissages. Tout échec qui est dans ta vie, c'est que tu as le bras de la positive. Tu dis non, je n'ai pas échoué. C'est que la prochaine fois, je ne vais pas faire la même chose. Donc, pour ne pas regretter nos choix, il est nécessaire de faire preuve de maturité, il est nécessaire d'assumer nos choix et d'assumer les conséquences de nos choix. Ce n'est pas la fin du monde si ce qu'on a pris est une mauvaise décision. D'accord? Donc, c'est comme le processus de la prise de décision. Et les hommes à Olhaja, il faut se connaître. Il faut Tamhouni, il faut se connaître. Maintenant, je ne sais pas si c'est bon. Je vous fais un ou aller. Je vous fais en tant que slide normal. Je vous fais un ou le slide. D'accord. Donc, Naoudel, comme le procès. Donc, le processus, donc, il faut se connaître, il faut connaître ses émotions, il faut chercher la motivation, il faut fixer des objectifs, écouter son instinct, analyser ce qu'on perd et ce qu'on gagne, prendre du temps,
se soulager et assumer ses choix et ses décisions. C'est un processus qui nous permet de prendre la bonne décision. On va prendre les choses techniques. Bon, comme tu as quelques astuces et quelques fonctions et quelques outils qui nous permettent de faire la prise de décision. Avant de passer au chapitre des techniques, j'ai quelques questions. Je laisse le champ de poser des questions. Dès qu'elle m'a famille, je peux continuer. Ok. Donc, normalement, je me calme. Jusqu'à là, ma famille, je suis interaction. On avance. Ben, parfait. Ben, حاضرين تعملوا معايا التكزيرسيس ناس الكل ولا ايه؟ نحب لي ريبونس انا، نستنى في لي ريبونس. Levez la main pour répondre. Voilà. Si vous êtes prêts, vous voulez lever la main ou alors vous répondez par oui. Ah, là, on a des réponses aux questions qui. Oui, Anne, un oui. Oui, ok. Yala, on passe à l'exercice. Hein? D'accord. Ready, ready. D'accord. C'est un exercice intéressant. D'accord. Ok. D'accord. Donc, je teste pour voir comment on a une décision à prendre. Et vous êtes devant deux chemins. D'accord. On va voir comment vous avez une décision que vous allez prendre. Et je vous invite de préférence à vous aider. L'exercice, c'est l'exercice de la visualisation. On va visualiser notre chemin. D'accord? Donc, je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément. Vous allez prendre des respirations profondes. Vous inspirez 4 fois. 4 temps, vous bloquez 4 temps et expirez ensuite 8 temps. Donc, vous faites des inspirations, blocages et expirations successives. Vous inspirez, vous bloquez 4 8. D'accord? Vous êtes devant votre chemin. Vous êtes devant la décision que vous allez prendre. Vous allez visualiser le futur que vous souhaitez. Vous allez visualiser les actions qu'il faut prendre pour aboutir à ce futur agréable que vous allez réaliser. Comme si vous avez un bâton magique et par miracle, vous allez aboutir à l'objectif que vous voulez réaliser. Choisissez la situation que vous avez envie de réussir. Imaginez la situation idéale pour vous. Osez visualiser. Osez la réussite. La réussite, elle est devant vous. شوفوا في الهدف نتاعكم قدامكم. شوفوا في روحكم وسط الهدف نتاعكم. نحبكم تستخيلوا روحكم كيفاش. تتخيلوا روحكم شنو لابسين، تتخيلوا روحكم كيفاش تتصرفوا، شنو تسمعوا، شنو تشوفوا، شنو تحسوا، شكون بحذاكم، كيفاش تضحكوا، كيفاش تتصرفوا، كيفاش تحكيوا، شنو تحسوا، كيفاش تحسوا في روحكم، كيفاش صرفتوا باش تحققوا هالوبجيكتيف متاعكم، كيفاش صرفتوا باش تاخذوا الديسيزيون اللي خذيتوها، هالديسيزيون القويه اللي خذيتوها. الديسيجن هذه اللي بتخليكم تحققوا الأوبجيكتيف متاعكم. ديما شوفوا روحكم، شوفوا روحكم تضحكوا، شوفوا روحكم فرحانين، شوفوا روحكم كونفيون، vous avez
Vous avez réalisé votre objectif. Vous vous sentez fier. Vous vous sentez capable. Vous vous sentez le maître du monde. Prenez le temps. اشبعوا باللحظة هذية. اشبعوا بالمومون هذية. وتخلوا يحكم كيفاش. تخلوا يحكم شنو لابسين. كيفاش تغزروا. شكون بحذاكم. شكون واقف بحذاكم في الوبجيكتيف في المومون هذية. Je voulais savourer ce temps. ونحبكم ترجعوا وتشوفوا كيفاش خذوا الديسيزيون. توما كيف كنتوا وقت اللي خذوا الديسيزيون. الديسيزيون هذية اللي خذيتوها واللي يعطيكم الصحة خذيتوها باش خليتكم تحققوا الوبجيكتيف نتاعكم. كيفاش كنتوا. احلموا الحلمة. حلمة باهية. حلمة تحياتكم. حلمة الوبجيكتيف نتاعكم هذايا. تمتعوا باللحظة. نخلي لكم شوية وقت. الوقت هذا متاعكم. هذه لحظتكم. هذا وقتكم. عينيكم مغمضين. وانتم تتنفسوا. Vous respirez profondément. نحبكم توا تشوفوا إحساسكم. شنو تحسوا؟ الإحساس هذاك اللي حسيتوه جيبوه. لموه بين يديكم هكا افيك لي دو ما هزوه وحطوه هكا في قلبكم جيبوه ليكم دخلوه لداخل ليكم نتوما وانتوما باقي تضحكوا باقي فرحانين باقي كونفيون اون فو ميم وقت ما تحبوا كون فو سيري بري تي تا بتي اي اونيكمون كون فو سيري بري فو بوفي ريفينير سي مانتنون. Vous pouvez ouvrir les yeux. وكل واحد يكمل يقول لي نجم يقول لي شنو حس. Parfait, yatikoum saha neskol. Aïchkoum anes, aïchkoum, c'est très gentil. Je suis contente, très contente pour vous. Yanni kadanaka, le calme, un joli feeling, atouma anina, le sourire, la joie. حسيت فرحة كبيرة وفخر حسيت أني نجحت باش نحقق قرار كنت مستصعب وحسيت بالعز j'avais les larmes aux yeux je sens une excitation أحلى شعور يعطيكم الصحة je vous remercie يعطيكم الصحة donc عملنا exercice de visualisation عملتلكم un petit exercice نتاع hypnosis guide exercice هذاك يخليكم عندكم confiance في رويحكم وين تحسوا رويحكم وين تحسوا رويحكم هكا في difficulté, très ouvert comme confus, mais j'arrive fin au champ de tamlo, armo la visualisation, chauffe ouvert comme, extrait ouvert comme, extrait l'eau, tout ma ouine au sol tout, extrait l'objectif un petit comme partout qu'on aime quand on chauffe, ça sera la vie sera très facile, comme ça il va lisser. Merci, Ansaïsk. Très gentil. Je ne veux pas retourner. Un camion. Un camion. Un formation. Un monde merveilleux. C'est vrai, c'était un exercice très, très, très fort.
Ben, comme un outil instable ou aide pour pouvoir prendre les décisions. Il y a quoi, chenon? Il y a la dissociation. Je m'en ai la dissociation. Il y a comment call out of the box. تخرج من الكونتكست نتاعك تخرج وتطير ولا نسميو زاد نسميو زاد زاد بالكون فيو احسب رويحكم في البالكون الفوق طلعتوا البالكون وتغزروا في رويحكم لوطة في جنينة تغزروا رويحكم لوطة في القاعة تغزروا رويحكم توما فاس بروبليماتيك توما عايشين فيها باغ اكزومبل باش نحكي على سمية انا سمية تو في البالكون طلعت البالكون وش نخز السماء بعد اللوطة حايرة كيفاش مش تاخد ديسيجن قديتها باش ثنيات مش تعرف شنو عارفة شنو مش تعمل السماء مش تاخد ولا ثنية هادية بيان سيغ انا انطون عندي دي زليمون الكل بيان سيغ عندي دي دوني الكل نعرف السماء شكوني نعرف شنو الموتيفاسيون متاحة نعرف شنو الوبجيكتيف متاحة نعرف شنو الريسورس متاحة وقاعدة نشوف فيها كيفاش حايرة Donc, il y a qui est à l'balcon, il y a une vision plus objective. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ou chouf rouhak d'une autre vision. Chouf okhroj avec le contexte hedeka, ou aïch comme si une autre personne qui va vivre bichtati un jugement à la soumaïe avec le contexte hedeka mtéha. Ou que l'ouïhde, bien sûr, bichistam l'ismo, yuhut ismo. فهمتني مشيت على البالكون يقول باغ اكزومبل انا باش نشوف اروى انا باش نشوف هند انا باش نشوف فاطمه انا باش نشوف اسماء انا باش نشوف ايمن ايمن كيفاش يتصرف في الكونتكست هذاك يعرف ايمن وهو في الكونتكست هذاك اللي ما شافوش خلي انا نطلع الفوق في البالكون ونشوف خير منه نشوف بنظره اخرى ونعرف Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Ayman? Elle est exercée, c'est la dissociation. Elle s'est mise out of the box, elle s'est mise à la balcon de vue. C'est un exercice, elle est très intéressante. Elle nous permet d'avoir une idée plus objective. Il n'y a pas de jugement. Tu vas laisser l'autre partie décider pour toi. Bon, pas décider vraiment, mais تعاونك pour les décisions. ب فما ان اوتر اوتي اللي نسميه انا لا موديليزاسيون شنو لا موديليزاسيون لا موديليزاسيون هي الباز اللي قامت عليها لا بي ان ال كما قلت لكم اللول لا بي ان ال جات من عند دوز امريكان و دوز امريكان هذوما ils ont essayé de modéliser le comportement et l'excellence نتاع ثلاثه عباد ب شنو شافوا في الاكسلونس نتاعهم شافوا هما كيفاش يتصرفوا كيفاش كومون سو كومبورت كيفاش لي جيست نتاعهم كيفاش العباد منبهره بلي جيست نتاعهم كيتصرفوا في سيتياسيون هذيك دونك جو فوز انفيت ا بروندر ان اكزومبل دو كالكان لي مسبديكوم اون بيرسون انسبيرونت مسبديكوم اون بيرسون كي سي ديسيدي كي سي بروندر دي ديسيزيون وتقولوا كيفاش يعمل الشخص هذايا كومون ايل في هاد سيت بيرسون Donc, d'une autre manière, vous allez modéliser, c'est-à-dire que vous allez dire qu'il fait ça, qu'il fait ça, je dis n'importe quoi, par exemple. Il faut voir qu'il stylo, ou dire pour le contre, plus ou moins. Il faut un peu de recul, il sait fixer des objectifs, il sait être bien entouré, il a une décision dans le domaine d'affaires, il a de bons consultants. عندو شكون تركز عليه في عائلته عنده راجل ولا مرته عنده كونفيونس فيهم وعنده ثقه في القرار نتاعهم فهمتني دونك هذا شمن لي موديليزاسيون و parmi les présupposés de la PNL تقولك il est possible de reproduire les performances des autres alors c'est très 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 possible باش تاخذ les compétences les performances تاع عبد كي لي اسبيري فهمتني و تعمل موديل عليه و تواجي كوم لوي و parmi les sujets متاعينا في المتر برات بي ان ال خديت باراك اوباما je l'ai pris comme un exemple pour modélisation خاطر عنده فهمتني عنده il est très charismatique وعنده قدره باش بكل عليا يعجبني في كيفاش فهمتي une formation يوصلها يوظفها كما يحب هو اللهم صل على النبي ان شاء الله فهمتني je serai un jour comme lui c'est ça l'objectif متاعي انا فهمتني باش نخدم عليه ان شاء الله ب
نعطيكم ان اوتي خير باش نبعكم برشا اوتيات اليوم انا صح عليكم دونك نعطيكم ان اوتي هي سي لا سي لي افيرماسيون بوزيتيف خلي قبل لي افيرماسيون بوزيتيف نعطيكم حاجه اخرى نعطيكم ليكريتور جو فو كونسي على خاطر كي تكتب انت ما عندكمش فكره قداش لي زيدي نجمو يخرجوا قداش لي زيدي نجمو فهمتني يخرجوا ما كيما تحس بيهم با بلا كونسيون تاعكم تلقى روحكم تكتبوا فهمتني في افار في دي ديسيزيون ما يجيوكش على بالك في دو مانيير كونسيونت بحق سي بار ماجي فهمتني vous allez remarquer que la réponse elle va sortir très vite l'écriture c'est une force à voir les choses فهمتني d'un point de vue différent تعطيك قدرة فهمتي بشوف لي ريسورس نتاعك باش تشوف من جوانب الكونساي فهمتي ابو لونسي فهمتي بالكريتور عندها بيان في بالحق تري تري نمشيو للوتي الاخر هما لي افيرماسيون بوزيتيف افيرماسيون بوزيتيف شكون ما يعرفهمش وما ادراك من لي افيرماسيون بوزيتيف تقول عليه خليتها الاخر لي افيرماسيون بوزيتيف على خليتها خلي الاخر باش نوتر سيرفو يخليهم يذكرهم باش نبيتو فهمتني الليلة واحنا متذكرينهم باش نبيتو في الليل واحنا فهمتني عندنا ثقة في رواحنا باش نبيتو في الليل واحنا فهمتني افيك لا بون هومور افيك فهمتني اخر حاجة باهية سمعناها نبداوش فهمتني من نرقدوا على حاجة خايبة بالحق جو فو كونساي ديما قبل ما ترقدوا ديما فهمتني ما تخليوش مخكم فهمتني يخمم في المشاغل متاع الدنيا ويعمل فهمتني يخمم في الحوايج الخايبة سانسوا رواحكم بالزافيرماسيون بوزيتيف وسانسوا رواحكم بالميديتاسيون وسانسوا رواحكم بالأفكار الإيجابية خاطر بالحق سي ان كونساي تري امبورتون كو جو فو دون خاطر بالحق عندها تأثير باهي على النوم نتاعك وعلى حياتك شوما لي افيرماسيون بوزيتيف حاجه اخرى ننصحكم زيد كما في الليل قبل ما ترقدوا ديما تخموا في الحاجه الباهيه كيف الصباح اول ما تقوموا حبكم تقوموا على حاجه باهيه علاش على خاطر يقول لك 80% de nos pensées le matin vont déterminer toutes les pensées de la journée معناها كان انت قمت الصباح على فكره خايبه ولا لطف الشيطان وسوس لك على فكره خايبه لطف باش تعدي نهار كامل وانت مكشبه وانت مش في صحنك دونك حاجه بوزيتيف ما غير فلوس علاش تستخسروا في روحكم حاجه باهيه علاش تستخسروا دونك ساسوا بروحكم بالحوايج الباهيه بالكامل الباهي واشكروا روحكم وتعلموا فهمتي يقولوا حاجه باهيه لكم انتما والعباد اللي المحيطين بكم خلينا نعطيكم ليست من الافيرماسيون بوزيتيف اللي كل صباح اللي قبل ما نقعدوا حتى كل صباح قولوهم فهمتني اللي يعطونا فهمتني كونفيونس اون سوا واللي فهمتني يخلونا بوزيتيف تشوفوا فيهم يا انس سلايد وي اوتي افيرماسيون بوزيتيف وي داكور شنو ننسوا شنو نقولوا احنا ننسوا احنا نقولوا je me suis fixé des objectifs clairs. Je crois en moi. Aujourd'hui, je prends des mesures pour atteindre mes objectifs. Je suis prêt, voilà, je suis prête à sortir de ma zone de confort et à faire un choix. Allô? Oui. Oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, je prends des mesures pour atteindre mes objectifs. Je suis prêt, voilà, je suis prête à sortir de ma zone de confort et à faire un changement. Mon esprit est concentré et clair. La créativité coule à travers moi facilement. Je suis digne de mes rêves et je les fais. Je suis un être créatif illimité. J'ai une forte volonté et je peux facilement changer mes habitudes. Ma vision et mon but sont clairs pour moi. J'ai déjà la sagesse et le courage nécessaires pour réaliser mes rêves. Et il y a aussi plusieurs autres affirmations positives qui vont booster l'être humain. Oui, خليه ديما يقدم القدام, il a عنده ثقة في روحه, oui, il est confiant, oui, il يعرف روحه شنو يحب وشنو ما يحبش. Donc, نمشيو pour la conclusion et pour la fin, ونقول لكم نعطيكم une citation de Nelson Mandela, je crois Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc,
Qu'est-ce qui vous empêche de prendre les décisions? Rien ne vous empêche de prendre les décisions. Donc, il veut mieux prendre une décision que ne pas prendre une. Alors, le fait que tu n'as pas pris une décision, ça, c'est une décision. Tu as décidé de ne pas prendre une décision. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas prendre une décision? Et où déjà le bout de coule, Fentny, qu'est-ce que je vais gagner et qu'est-ce que je vais perdre? Et du coup, je vais perdre. Je n'ai rien à perdre, mais j'ai essayé et j'ai appris. Et même j'ai échoué, j'ai appris. J'ai appris que la prochaine fois, je ne ferai pas la même chose. J'ai appris de me connaître. J'ai appris mes limites. J'ai appris mes forces. J'ai appris mes ressources. وحبيت نفتح قوس puisque فهمتني فما هالسومي نتاع العاملين واحنا فهمتني فيزيون انيسياتيف 2024 نتاع لي ايديوكاتور اش خاص كان ديفلوبمون بيرسونيل يتعمم في القرايه واش خاص نقريوه لصغيراتنا ملي في المكتب مش حتى الكوليج المكتب الكوليج والليسي خليه يفهم رويحهم وخلي يسوران دي بيرسوناج عندهم ثقه في رويحهم ويسوران فهمتني كابابل دو بروندر لي ديسيزيون ويعرفوا يحكيوا مع العباد وفهمتني يكونوا دي ليدر دي فيتور ليدر في المجتمع هذايا ويكونوا عنصر فاعل في المجتمع ويقدموا بينا ويقدموا بتونس ان شاء الله يا انس. ان شاء الله والله من فمك الرب كما يقول احنا ديجا سي لوبجيكتيف ماجور نتاع ليفينمون كله ان بلان كونسيونس احنا بالحق لي بيزوان دي جون عندنا. هو ديجا في الاسوسياسيون لوبجيكتيف نتاع كرياسيون د الاسوسياسيون هما لي جون او فات وفي السومي هذايا وبيسك كورونا واللي كونديسيون كلهم ماهمش نقولوا عاديين دونك احسن كادو نجمو نعطيوه للزونفون تاعنا لي جون تاعنا ان نكونوا اساتذه ومربين وحتى الاولياء نعطيوهم ادوات وديزاستوس باش هو بيدهم يكونوا اكيليبري وينجموا يربيوا اولادهم ويحيطوا بهم كونفونابلمون. ميرسي بوكو مدام سمية يعطيك الصحه. يعطيكم الصحة وبربي أنس نذكرك بربي أنا وعدتهم باش نبارتاجي لهم كلمة تاع لي فالور بربي جو نعمل عليك تبارتاجي لهم لي فالور. ديجا في لحظة برك ما كيتي با خاطر جو في بارتاجي لو فورمولار دو ديفالواسيون. يعطيكم الصحة يا ناس الكل ميرسي بوكو اللي حضرتوني واللي حضرتوا معايا جو سوي تري زونوري ومرحبا بكم و سي ان اونور بور موا. ميرسي سمية يعطيك الصحة. عايشك ميرسي عايشك قلوب برشا قلوب يعطيكم الصحة ميرسي سي فلاتون ميرسي بوكو ميرسي مريم ميرسي سرور ميرسي منيب عايشك تري جنتي جو سوي في برشا نوار انور ميرسي سند عايشك يعطيك الصحة احلى ميرسي ميرسي ناولز ميرسي سامحوني كي ما قريتش اسميك من الكل ميرسي ا تول موند Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Ou redoua ta bouda zéda. Merci, Afish. Lahda, je partage. Je partage le formulaire d'évaluation. Ah, n'amnalik, on fait les. Évaluation. Merci, Asma. Merci, Esmi. Henda, merci. Ça y est, le formulaire, il est partagé. Il est encore dans le groupe, maintenant, je ne sais pas, il y a Ons, le formulaire. Je mets un col, le formulaire n'est pas partagé. C'est Néophique, il y a Ons. Ons, elle a quitté, je crois. Une fausse manœuvre, je m'excuse, une fausse manœuvre. Les messages...